Alors, dans la série Je garde ou je jette, la BO d'un film qui date de 1982, La Morte Vivante, un film de Jean Rollin, gage presque certain de regarder un nanar absolu. Néanmoins, la musique vaut le détour. Philippe Daram. Et donc c'est issu d'une série, je crois qu'il y a 5 volets, des petites BO qui durent le temps d'une face. En tout cas pour celui-là, l'autre face étant un truc gravé. Voilà. Une musique aussi barrée que presque kitschouille, pas presque d'ailleurs, un kitsch assumé, j'ai envie de dire. Je l'écoute pas tous les jours, on va pas se mentir. En revanche, moi je l'aime bien. Et puis, s'il y a des disques dont on sait absolument qu'on a envie de les garder et d'autres qu'on a envie de d'éjecter, celui-ci il se situe ni dans l'un ni dans l'autre, puisque on se dit qu'on l'écoute vraiment pas tous les jours, mais que à quoi bon le jeter. Ça fait partie des curiosités d'une discothèque. Enfin, je crois en tout cas. Je garde ou je jette, bah je garde. Salut.